Ça va bien ou quoi? Comment ça va les frérots? J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier. Vous êtes nombreux à vous abonner, surtout grâce à la vidéo Bac Pro. Je pense que voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire. Je vous remercie pour les toutes nouvelles personnes qui sont sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Et pour toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner suite à cette vidéo, je m'appelle Max. Je fais des vidéos de divertissement. Je me présente. Mais pourquoi je me présente moi? Oh, regardez ma chaîne! Comme vous le savez ou peut-être pas, j'aimerais justement vivre de cette passion, vivre de YouTube. Et pour ça, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à parler vraiment de moi autour de vous. En tout cas, comme je vous dis, la chaîne est grandissante, ça peut être vraiment intéressant. Les commentaires que vous laissez sont extraordinaires et je kiffe répondre aux commentaires, c'est un truc de malade. N'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires, etc. Référencement, référencement, référencement. Bon les frérots, aujourd'hui vous l'avez compris, on va faire des live à TikTok. Nous allons commencer avec du très très lourd et surtout parce que je crève de soif. C'est une technique à air justement comprimée permettant de faire ressortir le liquide à travers une paille. On dit comme ça, tu vois, ça paraît, voilà, ça paraît extraordinaire. Et quand vous allez voir, c'est... Je vous montre. It's lit. Just take a look at the drip. Ok, pour commencer c'est très simple. Désolé pour l'audio, il sera complètement différent de celui à l'intérieur justement de mon studio et à l'extérieur. Je n'ai pas de micro cravate. Pardonnez-moi. On commence avec la bouteille qui est censée faire un effet de pression. Ça passe par une bouteille, etc. Vous allez voir, c'est avec un ballon. En l'occurrence, c'est une bouteille de coca sur la vidéo. Là, on part sur du Red Bull parce que ben, j'avais que ça chez moi tout simplement. Et on essaye de faire des vidéos à moindre coût, ok. Bon, on commence très simple. Déjà, de base, on va faire un petit peu d'ASMR parce qu'il faut que je bois un peu, un tout petit peu de la canette. Oh, ça fait du bien. Le principe justement de ce TikTok, c'est de passer et de faire un petit trou qui est juste ici pour que la paille puisse entrer. Une fois que la paille est entrée, elle doit toucher le liquide. Et après on installe justement un ça. Voilà, ça va me servir pour la vidéo après, mais en même temps ça va me servir pour maintenant. On le fout comme ça et avec le ballon justement, on fait un genre d'effet où l'air rentre et ça fait une pression. Enfin bref, on va commencer, je vais faire une petite incision ici. Faites très attention. J'allais dire, faites très attention, ça peut partir très vite. Bah exactement, karma. Ok, donc là, j'ai troué juste ici, voilà comme ça. Normalement, la paille, elle est censée être courbée à ce niveau-là, histoire que ça part pas en couille. Mais là, je l'ai pas courbée, donc ça va partir comme ça. Deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, on gonfle un petit ballon. Le but du jeu, c'est de la mettre dedans. Mais mec, c'est trop compliqué en fait. Comment elle fait? La meuf, elle arrive tranquille à le faire. Attends, on va essayer un truc. Est-ce que, si jamais... Oh là là, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que j'ai pas fait une erreur d'avoir fait ça? Avec mes dents, j'ai pété le truc ici. Et je me dis, ok, ça va mieux passer. Mais je me dis aussi une chose, si je lâche, j'arriverai pas à regonfler le ballon. Et s'il vous plaît, faut le valider celui-là, faut le valider. Oh! Ça va. Deuxième tentative. Est-ce que ça va marcher? Oh oui, je crois que j'ai trouvé. Oui! J'ai trouvé, ok. Ok, est-ce que l'angle est pas mal? Oh putain le bâtard. Ok, let's go. Oh non! Ok, là c'est bon, je pense que j'ai un truc. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Oh! T'as la fait sans même que je m'en aperçois. Et vous savez quoi? Ça n'a pas marché! Ça n'a pas marché, gros! Est-ce qu'on peut passer au life hack suivant, s'il vous plaît? Bon, pour ce deuxième life hack TikTok, je suis quasi à 100% que ce life hack est complètement pété au sol. C'est un life hack sur les pots de Nutella. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent comme quoi quand on ouvre un pot de Nutella, surtout version familiale. Là, malheureusement, j'ai pas une version familiale, mais vous savez quoi? On s'en fout après tout. On va regarder. C'est en dessous de ça. Donc là, on va pas se téléporter justement dans une autre pièce. On va regarder directement. Théoriquement, je dis bien à l'intérieur justement de ça. Bon, il est usagé, hein. Il est déjà bien utilisé, bien entamé. Vous voyez l'huile de palme actuellement là? Ouh là 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 là, c'est censé être blanc ce truc là. Hein. J'ai fait un petit peu la youtubeuse beauté ou quoi? Voilà. Théoriquement, il est censé y avoir une petite cuillère ou un petit couteau blanc à l'intérieur. Enfin, en tout cas, un truc qui permet de manger son Nutella moins bien qu'avec nos couverts à nous. Nous allons checker ça. Procédé très simple. Vous mettez un petit couteau là, vous soulevez. Bon, déjà, hein, déjà... Je vous avoue entre nous que j'espérais un petit peu trouver quelque chose à l'intérieur. Mais bon, même au palpé, hein, quand on appuie, etc., on trouve rien. Donc voilà. C'était de la merde, hein, ce TikTok, on est d'accord? À moins que c'est sur des versions américaines et là, peut-être. Eh ben, nous, les Français, life hack suivant. Ok, ici nous avons un life hack avec un ballon. Le principe est très très simple. On gonfle ce ballon et ensuite on le met à une punaise, face à une punaise, et là il explose. Ok, jusqu'à là on est d'accord, c'est de la physique. Mais si vous mettez plusieurs punaises, est-ce que ça pète? Non, ça ne pète pas. Alors on va essayer de voir si ça pète vraiment pas. Et puis à tout de suite en fait. Ok, pour le prochain life hack, on va passer à un ballon. Comme je l'ai dit justement dans la petite intro pour présenter ce ballon, le but en fait c'est de mettre un petit... Comment on appelle ça déjà? Cette chose là, normalement ça va claquer. J'aurais pu être gonfleur de ballon. Je sais que tu vois, si je réussis pas sur YouTube, je sais que je pourrais être gonfleur de ballon dans les cirques. Le but c'est qu'elle le pose, et là on pose là comme ça.
J'étais pas prêt. Maintenant, pour cette deuxième partie, on met plusieurs en fait. Elle en a mis plein. Aïe. Ah. Moi j'ai pris ça comme si c'était du popcorn, tu sais, t'arrives comme ça. Ah putain, ça fait mal, ouais. J'espère qu'il n'y a pas le coronavirus là-dedans. Ok, donc là, ce que je vais faire, théoriquement, c'est censé péter, on est d'accord. Oh gros, mais what? Je vous jure que moi, je m'y attendais absolument pas. Regardez. Mec, c'est ouf! Même en appuyant, regardez ma pression de doigt. Est-ce qu'on peut dire que c'est validé? C'est validé! Pour ce life hack, c'est très très simple. Vous l'avez peut-être vu partout. C'est avec une plaque de chocolat, en fait, une personne retire un bout, fait des coupes particulières. Donc il fait deux coupes sur la plaque de chocolat à 6 étages. Et en fait, à la fin, même s'il a retiré justement un petit carré, il arrive quand même à l'assembler comme si de rien, comme s'il n'avait rien mangé, etc. Bah, franchement, c'est assez fou, j'ai envie de tester. C'est parti! Cette fois-ci, il faut bien que je me concentre parce qu'il faut que je check justement la vidéo. C'est sur 4 côtés et c'est 6. Là, il n'y en a que 3. Si c'était transparent, c'est pas transparent. Vous avez vu une chose transparente ici? On va quand même tenter. En fait, dans la vidéo, il coupe à partir du deuxième et il remonte là. À moins que c'est ce deuxième-là. Ok, vous savez quoi? Je vais tenter. Première partie, découpée. Ok, théoriquement, ça devrait passer. Normalement, ça devrait passer, franchement. Je coupe la deuxième partie et... je crois que c'est un cube. Hop. Mec, oh là là, je suis un dieu, je sais pas si vous avez bien vu d'ici. J'ai coupé comme ça, comme dans la vidéo. Vous avez vu que c'est possible avec des tablettes de chocolat qui n'ont rien à voir avec les autres vidéos. Et pourtant, ça marche, c'est de la physique, c'est de la logique. Oh, j'ai suivant. Bon, on va commencer très très simple avec une petite arme projectile. Alors, je sais pas si on peut dire une arme projectile, mais en tout cas, c'est un truc très très simple. Vous avez besoin d'une bouteille, vous avez besoin de cette chose qui est juste ici et d'un ballon justement gonflable. On se doute que ça va marcher. Le but, c'est vraiment de tester un peu la puissance. Donc, on va essayer de faire justement, je vais mettre des petits objets et on va essayer de les exploser avec. Pour celui-là, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir en cours aussi. Collège, lycée, peut-être que j'aurais été viré à cause de ça, ou peut-être collé, je ne sais pas. Vous avez besoin justement d'une bouteille, vous avez besoin de ça. Et en fait, le principe, c'est de couper l'extrémité. Dans la vidéo, en fait, il a limé. J'en ai rien à faire, je ne vais pas limer. Qu'est-ce que tu veux que je lime ça, tout simplement? Non, déjà de ça. Oh putain, le con, j'ai oublié qu'il y avait un trou. On a besoin d'un ballon. Justement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même principe que tout à l'heure. Donc, c'est assez chiant. Aïe! Putain, ça coupe. Le plastique ici coupe. Ah ouais, mais putain, ça coupe aussi. C'est pour ça qu'il l'a limé. C'est parce que ça coupe. Ok. Ah oh, mec, non. C'est infernal, gros. C'est un truc de ouf. Allez, ça va passer. Pourquoi je le gonfle? Si, moi. Non, mais ça va pas, là. Ça va pas. Mais mec, j'en peux plus. Allez, ça tient. Encore un putain de trou. Et encore un trou qui s'est... C'est censé être facile, gros. Attends, j'ai une idée. Je vais poser ça là, comme ça. Mec, c'est marché. Oui. Mais putain, yes. Ok, je l'ai fait de l'autre sens. Parce que de l'autre sens, en fait, ça marche pas. Et ça me fait chier, en fait. J'ai un cerisier. Il me reste une petite noix qui a été mangée certainement par les oiseaux. C'est pas parti, mais c'est pas vrai. Vas-y, allez. Mec, c'est de la merde, en fait. Oh putain, la puissance! C'est parti! J'en ai plusieurs. Je suis vachement étonné de la puissance. On essaye de le faire, de taper ça. Ça me fume parce que quand j'essaye de bien viser, ça marche pas. Nouvelle tentative. Putain, c'est encore parti. Vas-y, en vrai, c'est pas facile à viser. Ouh. Ah, mais mec, vas-y, c'est bon, j'arrête. C'est assez fou, je suis assez étonné. Mais par contre, niveau fiabilité, on va passer à l'objet suivant, c'est quoi? Ça y est, vous l'attendiez, c'est l'arbalète, les amis. C'est l'arbalète avec des crayons de papier. Du coup, le but du jeu, en fait, c'est de prendre 4 crayons. J'ai fait avec les moyens du bord, j'ai pas exactement les mêmes choses, mais on va tester parce qu'en fait, de base, il faut une seringue. Et moi, j'ai trouvé ça. YouTube beauté. Un petit cylindre qui est censé représenter justement là où la flèche sera, ou en tout cas le projectile. Le but du jeu, en fait, c'est d'avoir une pince pour retenir l'élastique. C'est des trucs, hein, franchement, totalement basiques. Hein. Mais est-ce que ça va marcher? Je pense que oui. Est-ce que c'est dangereux? Peut-être bien. Faites attention, pareil, hein, ne refaites pas ça chez vous. On sait jamais, ça peut être assez dangereux. Et même si vous le refaites chez vous, bah tirez pas dans les yeux des gens ou sur les gens tout simplement. Ok,
Deux crayons, ceci. Le but, c'est de fixer avec un élastique les deux crayons avec ça. Ok, c'est parti. Franchement, en vrai, je suis pas sûr qu'on est bien, on est très très bien. Mais en vrai, ça devrait marcher. Je remets un deuxième ici pour le stabiliser. On en prend deux autres. Et là, on fait la même chose. Hop, ça part sur ça. Ok, nickel. D'accord. Le deuxième, vous avez ça. Le but, c'est de faire un bail comme ça. Vous avez un peu compris. L'élastique, en fait, que vous allez mettre juste là, il va repartir et il va vous mettre ici et vous le bloquer là. Est-ce que vous avez compris cette explication nulle à chier? Comment on fait l'élastique, tu sais, comme ça, je pense. D'accord, ok. Vas-y, tu sais quoi? J'en ai rien à faire. Je vais le laisser comme ça, mon gars. Il est un peu branlant. Coucou. Ok, donc là, en premier lieu, ok, il nous manque un élastique. Oh mec, je suis con en plus. J'ai oublié de mettre ça. Parce que ça, en fait, ça se met là au milieu. J'essaye de le bloquer tranquille. Il est bloqué, mais genre, il part un peu en couille, ok? Pourquoi? C'est quoi le nœud à faire? C'est infernal. C'est infernal. Ok, bon, bref. Là, théoriquement, ça devrait passer. C'est vraiment, là, franchement, c'est... C'est vraiment pas le truc le plus optique que tu peux trouver sur le marché, hein. Vraiment, vraiment pas. Sur la vidéo TikTok, il est parfait le bazar. Donc là, il avait passé genre comme ça, tu vois. Mais mec, y a rien qui va, mec. Ah merde, il a l'envers cette fois-ci. Mais ah, ça me gave. Putain. J'ai envie, tu sais, de prendre de la colle et genre... Vas-y, tu sais quoi, j'arrête. C'est pas le scotch le plus optique que vous allez trouver, hein. C'est un peu de la merde ce scotch, mais ça ira. Yes. Pour le moment, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le bazar, il est déjà levé, justice. C'est pas comme ça que tu dois être en fleur. Ça va pas aller parce que je remarque un truc là. En fait, je serais obligé de le maintenir genre comme ça. Vas-y, tu sais quoi, scotch. En mettant le scotch comme ça, en même temps, c'est lisse et ça dérègle pas trop le bail. L'instant de vérité, justement, il faut passer ce petit truc, voilà. Regardez vos têtes, vous êtes déçus, calmez-vous. Avec ça, ça va le faire. Ça va le faire. C'est quoi? Allez hop, ça part. Ça part comme ça, vous avez vu? J'ai mis un projectile comme ça. Faites très attention. Si ça fonctionne pour vous, vous voulez le refaire. Ne tirez pas sur des personnes, etc. Faites attention, tirez sur des objets. Oui, ça tient. Est-ce qu'on peut dire que ça tient? Ça tient. Je mets ma petite fléchette. Oui, ça a marché, Guillaume, t'as vu ça ou quoi? Hop, je l'arme comme ça, tu vois, hop, tranquille, comme ça, et attention, ça avait pas fait ça dans la première, je te jure que de base, c'est parti tout là-bas, regarde, il est parti tout là-bas, donc je vais essayer de faire un creux déjà. Ça commence à prendre forme un petit peu, on va dire que comme ça, ça passe, là, franchement, c'est nickel, là, c'est lent, la garde. Ça risque de partir très loin. On va reprendre une fléchette, on va refaire une petite entaille au niveau de la fléchette. Oh, je me suis coupé. Je vais mettre un petit pansement. Pouce blanc, let's go. Du coup, faites très attention quand vous utilisez des couteaux. Faites pas le gros foufou comme moi, vous risquez de vous faire très mal. On va essayer de dégager les Pringles comme on a dit. Ok, c'est engagé et là... C'est foiré, tout ça pour rien. Je me suis coupé le pouce pour cette puissance. Toi, ma grande, c'est la fin pour toi, mon ami. Tu signes ton arrêt de mort. Ok, let's go. Oh mais gros. Bon, c'est pas très optimisé comme arbalète, hein, je vous l'ai dit, mais bon, c'est... Enfin, ça passe, tu vois, ça passe. Tu vois, j'ai fait un bail comme ça, tu vois. Voilà, j'ai fait un délire comme ça, vous avez vu, j'ai coupé un petit peu. Mais gros. Allez. Troisième essai. Mec, ça part beaucoup trop haut. Ah putain. C'est moi qui va me tuer à la fin de cette vidéo. Allez. Allez, ma grande. Mais putain, c'est pas vrai. Ok, c'est de nouveau armé. Les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que ces lifehacks TikTok vous ont plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est important pour le référencement. Très prochainement, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Ouais, on va essayer en tout cas. Je vous dis à bientôt. Et puis, salut !